Bon, bah les zinzins, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche de barbeau sur la Somme. Aujourd'hui, ça va être une pêche itinérante. Il y a du vélo qui passe. Ouais, donc une pêche itinérante. On va faire au moins 3 spots, peut-être 4, on verra. Et puis, but du jeu, bah, c'est de faire au moins un poisson par spot. Alors ça, c'est une pêche que j'aime bien faire, hein. Arriver à un endroit, faire un poisson, sauter à un autre endroit, faire un poisson, etc. Et puis, bah, on va voir si j'arrive à atteindre la mission du jour. J'ai fait un bac tradi, hein, comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, un truc que je veux qu'il soit vite, qu'il se mette vite en action. Donc normalement, ça devrait diffuser instantanément, et puis on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve pour un poisson. Bon bah, premier petit loulou de la session. J'espère en avoir d'autres, hein, puis les plus gros, on verra bien. Et c'est cool, ça démarre bien. Allez, top, je vais le remettre à l'eau. Bon bah, copains. Deuxième spot, deuxième poisson, c'est bien cool. Donc comme je vous ai dit, ça va être une pêche itinérante. Donc la caméra n'a pas déclenché pour le combat, mais bon, c'est pas grave, on a le poisson. On va essayer de refaire un autre, et après je bouge. En gros, je vais faire 1h30 par spot, 1h30, 2h grand max. Allez, on le remet à l'eau. Deuxième touche, hein, les gars. Super. Un poisson sur le premier spot, deux poissons sur le deuxième. Et là, je suis à quoi, une demi-heure de pêche sur ce spot-là. Encore une bonne heure.
Allez, retour à la baille. Voilà les copains, un très joli poisson, on est monté en gamme. Yes, superbe. Allez, ce sera le dernier poisson pour ce spot, hein. Ça fait une heure et demie que je pêche. Donc comme je vous ai dit, on va changer de spot régulièrement, on part sur le troisième. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. Bon bah les copains, j'étais en train de remballer, hein. J'ai replié ma première canne et départ sur la deuxième. Donc ce sera le quatrième poisson sur ce poste, hein. Sympa. Je pense qu'il doit être un peu plus petit que le précédent. Le précédent était vraiment joli. Et il m'a bien tenu le courant. Ouais, il est un peu plus petit. Il lâche rien. Encore un magnifique combo. Un poisson très puissant pour sa taille. Oh, il a des belles couleurs en plus. Il est bien coloré celui-là. Allez, jusqu'à la dernière minute. Allez. Yes! Ah, celui-là. Ouh. Il ne veut pas se laisser faire. Il a des couleurs magnifiques. Un joli poisson bien coloré. Yes! Ah, il est beau. Bien épais. Vous voyez ma main comment elle rentre bien dans son ventre. Yes! Yes, yes, yes. Allez, je remets à l'eau et changement de poste.
poissons sur ce spot là et ce sera le seul, je pense, car on va bientôt changer l'endroit. Joli poisson. Ils ont du jus. Oh, c'est encore un beau sujet, hein. Les copains, là il y a un pavé, hein. Bon, bah, il a un autre hameçon dans la bouche. Ouais, il a un autre bas de ligne dans la bouche. Tac, voilà. Je vais mettre ça à la poubelle après. Alors là, les copains, il y a bœuf. Waouh! Waouh! Ah, celui-là, il est gros. Pas très long, mais très large, très épais. Yes! Ah, ça fait plaisir, ça. Allez, on va le remettre à l'eau. Alors les zinzins, on est là sur le troisième spot, hein. Donc une pêche itinérante comme vous avez pu voir, des spots à chaque fois bien différents les uns des autres, avec des fonds qui varient, hein, et donc je ne vais pas pêcher forcément sur les mêmes places. Sur les deux premiers spots, je vais avoir tendance à aller chercher la frondaison des arbres en face. Sur le tout premier spot, il fallait que je fasse attention parce qu'il y a des grosses variations de profondeur. Donc je mettais toujours une canne sur un haut fond et une canne dans un trou. Et puis j'ai touché mon poisson dans le trou. Sur le deuxième spot, à chaque fois je suis allé chercher la frondaison des arbres, où là le fond était assez régulier sur à peu près toute la longueur. Il y a juste un endroit où ça remonte un peu, sinon le restant ça allait. Ici c'est un spot urbain, on va dire, hein, bien connu, hein, des pêcheurs de barbeaux, hein, du coin, et qui est ressorti régulièrement sur plein de vidéos, d'articles, etc. Donc ce spot-là, je vais chercher au milieu, dans le chenal. Je ne vais pas chercher les bordures. Peut-être à tort, ma bordure certainement bien intéressante, parce qu'il y a pas mal de végétation sur le bas. Je pense qu'aller chercher derrière la végétation, ce serait sympa, mais comme je suis sur une pêche rapide, je veux aller chercher les poissons là où je sais qu'ils sont. Donc j'ai fait un joli poisson. Il me reste vraiment très très peu de temps de pêche, je vais voir ce que je vais faire. Et on va aller finir sur un autre spot. Oh bah il y a touche, hein, en direct. Et ben les amis, je vais vous emmener sur le ponton.
Oh, bah, c'est une brème. Hop là. Donc c'est pas le barbeau espéré, c'est une belle brème bien jaune de la Somme. Donc ça c'est vraiment une couleur caractéristique des brèmes sur la Somme. Elles ont cette couleur là. Voilà. Et ben deuxième poisson du spot. Alors nous voilà de retour après cette interruption brémistique. Donc ouais, je vous disais trois postes différents. Donc celui-là je pêche plein milieu du chenal. Bah puis ça a réussi hein, la preuve en est. Donc deux poissons ici, il me reste un quart d'heure, 20 minutes je pense, après je bouge pour un dernier spot. Alors là j'ai deux choix, enfin deux possibilités. On verra s'il y a du monde ou pas, et s'il n'y a personne je vais essayer de vous emmener vraiment sur un spot totalement différent où là on va pêcher dans très peu de fond. Mais quand je vous dis très peu de fond, c'est 80 cm, 1 mètre grand maximum. Un très très fort courant. Et les poissons qui sont là devant, ça fait un passage de 5-6 mètres de large. Donc en espérant que le poste soit libre, sinon il y aura un plan B, il n'y a pas de souci. On verra donc sur les prochaines images sur quel poste on se retrouve. A tout à l'heure. Alors ici je pêche à deux cannes hein, donc vous voyez c'est vraiment pas large, et pour pêcher à deux cannes déjà je vais en mettre une complètement en amont, donc ça peut paraître bizarre pêcher à contre-courant, mais c'est quelque chose que je pratique énormément. Donc ici ça va être un petit lancer cloche hein, et on va poser ça en plein dans la veine d'eau. Je fais attention à pas accrocher les petits arbustes hein. Voilà. Et puis la deuxième canne, bah je vais la mettre face à moi. Ça sert à rien d'aller chercher là dans le sens du courant plus loin, parce que comme on peut voir, il y a quelques arbres bien en surplomb de l'eau. Et si vous allez chercher là, bah vous avez une chance sur deux pour qu'à chaque fois ils partent en dessous et c'est poisson perdu. Voilà. Donc là c'est de la pêche musclée, hein. Là, les départs c'est touches violentes, combo très violent, court mais violent, parce qu'ils vont pas se battre deux heures dans une telle eau, hein, un tel courant. Donc les combats sont assez courts, assez rapides, mais très intenses. C'est vraiment une pêche spécifique ici, j'adore. Allez, on se retrouve au premier poisson. Alors je voulais vous faire voir hein, le spot quand on fait des pêches itinérantes comme ça, bah, on voyage léger, très léger, le strict minimum, deux pics, deux cannes, une épuisette, un bac d'amorce et puis un petit pot d'appât ou deux petits pots d'appât, c'est largement suffisant, il n'y a besoin de rien d'autre. Voilà, donc voyagez léger, amusez-vous, n'hésitez pas à faire de la pêche itinérante, hein. Vous allez voir, c'est vraiment top hein, d'arriver sur un spot, faire un poisson. Faites 5 minutes, 10 minutes de route, ou des fois bouger de 200 mètres, 300 mètres hein, et déclencher des touches comme ça un peu partout à droite à gauche. C'est pas de la pêche de rendement, mais vous allez vous éclater hein, parce que déjà vous allez prendre des poissons dans les endroits où vous en aurez jamais pris avant. Et je commence à avoir de l'activité sur ma canne de gauche. Allez, bon, bah les zinzins, allez, une partie de pêche qui s'achève. Dernier poste stérile, j'ai pas déclenché de touches, enfin
Si, j'ai décroché un poisson, mais la caméra elle a été éteinte, je le décroche sur le bord, c'était un petit poisson. Mais bon, j'ai pas mis de poisson au sec. Donc, 4 postes, 3 postes qui ont bien marché. Quatrième, je pensais vraiment ça allait bien fonctionner aussi. Après, ça fait partie de la pêche, hein. Il y a des jours avec, des jours sans. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Continuez à vous abonner sur la chaîne, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et on va passer bientôt la barre symbolique d'un gros chiffre. C'est cool, franchement, je vous remercie tous de me suivre. Et puis, mettez un pouce, un commentaire. Dites-moi si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit par rapport à la pêche du barbeau, la pêche aux méthodes feeder, la pêche de blanc, celle que je pratique, hein. Moi, la finesse pour les gardons, tout ça, je sais pas faire. Enfin, je vais faire, mais je fais comme un cochon, quoi. C'est pas ma spécialité. Donc, pour ce qui est tanche, brème, carassin, etc., je peux faire un truc. Et puis on va se retrouver bientôt, peut-être une vidéo en canal, justement une pêche de blanchaille. On verra un peu la météo, ce qu'elle va me dire, où je peux aller. Et puis voilà, allez, à bientôt, gardez la pêche. Bon, petit rectificatif, hein, à la remballe comme sur le poste tout à l'heure. Un mini zouzou qui m'a quand même donc fait le poisson du spot. Donc mission accomplie. J'ai touché du poisson sur les 4 spots. Ça a été à la remballe, mais c'est poisson quand même. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.